Coqueluche du football sud-américain, numéro rayé. Ardiles. Luque avait donné. En tout cas, vous voyez pour l'instant, Stevens, l'arrière droit, qui a fait une faute et qui a donné précisément la balle involontairement à Maradona, la nouvelle vedette. Passarella avait éloigné. Bertrand Ardiles. Ardiles fauché. Gallego, Bertoni, Gallego, attention à Luque, Luque dans la surface, alors devancé par Ardiles, attendait ce ballon, Maradona, talonnade de Maradona qui l'a trouvé, Gallego, avec Maradona, cherche à nouveau Maradona, en position d'ailier droit, sauf ce ballon, a essayé de combiner avec Bertoni. Maradona à la lutte avec Niskanen récupère ce ballon. Maradona toujours. Ah, oh, joli la passe pour Ardiles qui n'a pas pu en profiter. Dégagement Passarella. À cette fois-ci, ce sont les Hollandais qui font pression sur les buts argentins. Ailier gauche, Ortiz. Peters devant lui parvient à centrer en retrait. Attention. Ah, oh, Maradona du pied gauche. Ah, quelle belle occasion pour le jeune prodige argentin. Portvliet s'était porté là-bas à gauche. Et non, essayer de trouver Niskanen. Balle récupérée par Maradona. Ce sont quatre argentins, attention. Sûrement une deux avec Luque. Non, passe par Ortiz. En position d'ailier gauche. Centre d'Ortiz. Maradona du pied gauche. Attention Maradona. Maradona fauché. Et oui, encore ce sont les Néerlandais qui rouspètent. Ils ont peut-être encore feinté le coup d'ailleurs. Non, c'est Maradona, à au-dessus, qui a profité à Portvliet. On a cherché Niskanen, on a trouvé Ardiles. Non, Maradona. Bertrand et Maradona. Ah, il a crawl. Ah, il y a même, mais bras collés au corps. Bertrand est toujours, Maradona. Maradona, Bertone, bien joué tout ça. Ah, rôle le premier sur service ballon. Ah, ça joue très vite, hein. Très très vite. Hein. Maradona, Maradona, accroché encore Maradona. Rôle. Peters. Ah non, là. Qui justifie son titre de meilleur gardien du mondial, Tamata. Et bien là, à la lutte avec Holguin. Oui, les défenseurs argentins ont cru hors-jeu, alors que Niskanen, ce n'était pas du tout hors-jeu au départ de la balle. Bien sûr, le hors-jeu se juge au départ de la balle, alors que Tamata va tirer ce corner. Et bon. Tamata toujours. Ah, Tarantini a glissé, sans doute temps de Tamata. Loin devant, trouve Van Kamp. Peters. Johnny Rep. Maradona. Ah, ras de terre, au ras du poteau. Mais bonne intervention de Doesburg. Et au prochain arrêt de jeu, Juan Barbas du Racing. 19 ans et demi, un espoir. Alors que Tamata ici. C'est ça la relève de l'équipe d'Argentine. Ah, il m'a l'air pas rapide dans le 20 camp sur ce coup-là, il aura du mal. Voilà, temps. Toujours 0-0 entre l'Argentine et les Pays-Bas. Dans ce match revanche de la finale de la Coupe du Monde. Ah, il en a eu un. Il a eu un 20 camp. Ah, il est plié en deux au 20 camp. Kroll, contre-attaque immédiate des Néerlandais. René Van de Kerkhoff. Répète en position d'ailier gauche, le voici. René Van de Kerkhoff. Eh non, tenter une balle à l'effet, la défense argentine avait le temps de se replacer. 32 minutes de jeu, c'était plein de M. Ramon Barreto lors de la finale, qui était juge de touche. Il lui avait reproché de ne pas toujours bien... Et c'est lui qui récupère encore. Oh joli! Oh joli!
Paul Guin. Ardiles, Maradona, contré par Niskens. Tarantini. Ortiz, il n'est pas hors-jeu. Centre d'Ortiz, et oui, ils sont toujours au deuxième poteau, c'est centre, il n'y a personne au deuxième poteau. Tim Peters, contre Vliet, position d'ailier droit. Oh, c'est fantastique. Et oui, les Néerlandais avaient compris le coup, bien entendu, il partait à gauche chaque fois. Il fallait bien qu'il change, il a changé. On vous l'avait un peu annoncé. Il fallait que Fignol change de côté, il a changé de côté. Ça, c'est trop facile, bien entendu. Si penalty, il était parti à gauche, il fallait bien qu'il change. Ecco, è iniziato, l'Argentina ha battuto il calcio d'inizio. Maradona, bellissimo il suo dribbling, bella anche l'apertura, ma era in fuori gioco. Lancio di Tarantini, trova Maradona libero, avanza, fermato da Oriali. Maradona intercetta il passaggio di Oriali, scatta via, serve troppo lungo, conquista la palla Luque. Maradona, Rossi la palla dagli attacchi di Gallego, è riuscita a metterla al centro. Maradona, lancio su Luque. Osman, Barbas, Maradona, ecco in lotta con Tardelli che cade, Maradona riparte, Barbas, palleggio favorevole con un rimpallo favorevole, Maradona salta due avversari. In area riconquista la palla Luque. E adesso l'arbitro. E questa volta c'era stato un fallo probabilmente su Rossi. A fondo di Tardelli, Maradona, un altro suo pezzo di bravura, Osman in fuorigioco. Luque, Maradona, Oviedo, ed ecco che l'arbitro fischia la fine. È quindi terminata 2-2, una partita che specialmente nel secondo tempo. Primi calci che gli argentini volevano vincere a tutti i costi. E allora anche gli azzurri del resto del mondo hanno fatto sul serio. Romenotti, mentre Tardelli va via sulla destra, gli aggancia palla e piede Maradona, Valencia, lancio è sull'ala destra, scivola Tardelli, Maradona che con un gran tiro tagliato va a cogliere l'angolo opposto del portiere Leon. Gol di Maradona al 29esimo, che aggira letteralmente il portiere con Calz spostato a sinistra. Più personalità Maradona, Luque, messo giù da Tonigno, ma la palla rimane ad Ardiles, a Maradona, e c'è un fallo di Tardelli su Maradona. Per Tardelli. Un fallo anche. E purtroppo Tardelli, già ammonito, viene espulso. Maradona, che tra l'altro si stava aiutando molto con le gambe, si spinge in avanti con le braccia, si spinge la palla in avanti. Ecco il fischio finale dell'arbitro su un'azione difensiva di Rossi, che conclude la partita e la fissa sul risultato di Resto del Mondo 2.